Boker Tov, Boker Or. On poursuit ce matin, Be'ezrat Hashem, notre limoud dans les halachot, relative à la Kriyata Torah. Nous disons précédemment que toute personne qui monte à la Torah doit lire le passage en question, donc les psukim en question de sa montée, ou du moins répéter doucement, ou lire en même temps que le Shaliar Tzibur. Commençons par cette première étape, qui est l'étape du Baruch Hashem Mevorach, très célèbre, pour laquelle le Tzibur doit répondre Baruch Hashem Mevorach, Le'olam, Va'ed. Si jamais la personne qui est montée n'a pas dit Baruch Hashem Mevorach, elle a commencé Baruch Ata Hashem Asher Bachar Banu. On ne va pas l'arrêter pour le faire reprendre le début de la Beracha, dans la mesure où l'élément essentiel, si on peut le dire ainsi, c'est plutôt la Beracha du Asher Bachar et la dernière Beracha de Asher Nathan. Si jamais celui qui est monté à la Torah n'a pas lu les Brachot à haute voix, quelqu'un qui était timide par exemple, et le Kahal, l'assemblée, n'a pas entendu les brachot de la montée en question, ils pourront répondre malgré tout à la Beracha, parce que le Shaliar Tzibur qui est à côté va lui répondre Amen à la Beracha. Le Shaliar Tzibur, c'est le lecteur. Lui, il a certainement entendu la Beracha de celui qui est monté, parce qu'il se trouve l'un à côté de l'autre. Donc grâce au Shaliar Tzibur qui répond Amen, le Kahal tout entier aura aussi la possibilité de répondre Amen, même s'ils n'ont pas entendu l'intégralité de la Beracha. Toujours en parlant des brachot de la Kriyata Torah, certains ont l'habitude de se prosterner légèrement en disant la Beracha, ou encore de lever les boîtiers du Sefer Torah, lorsqu'il s'agit d'un Sefer Torah à rouleau couché et non pas à rouleau debout. Tout cela pour donner bien évidemment du kavod de Sefer Torah et pour désigner carrément avec un geste la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée en faisant référence à la Beracha première et à la Beracha dernière dans laquelle nous disions Asher Bahar Banu, Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi les nations, et Asher Natan Lanu, on le remercie de nous avoir donné la Torah, Birukhim Tiyu.